La team Poise Cage, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pousser des pépins de pommes. Donc il y aura, enfin la partie 1 est sortie. Donc c'est comment en faire avec une clémentine. Donc c'est à peu près pareil. Donc c'est parti. Donc les gars, donc vous prenez votre pomme comme ceci et vous la coupez mais pas entièrement. Vous essayez de pas aller jusqu'au bout en fait. Comme ceci. Clac. Comme ça. Et là. Clac. Bah, il y a déjà un petit pépin qui est sorti. Là. Comme ceci. Donc, je vais les récupérer. Et on se trouve juste après. Du coup, les gars, j'ai sorti les petits pépins de la pomme. Donc, il n'y en a plus. Je l'ai un peu... exploser la pomme. Donc voilà, donc j'ai récupéré quelques pépins, j'en ai récupéré 5. Donc vous les prenez. Et comme pour la clémentine, si vous l'avez vu bien sûr, il faudra que vous preniez vos pépins et vous les mettez dans un petit récipient d'eau comme ceci. Donc vous les mettez comme ceci. Et on se retrouve dans 24 heures. Donc les gars, on se trouve 24 heures pour vous, mais pas pour moi parce que je le fais maintenant, parce que je l'ai déjà fait. Donc les gars, maintenant que ça fait 24 heures, donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc ça sert en fait à que la croûte dessus se ramollisse pour que quand il soit dans le sopalin, ce soit pas pour que ça aille plus vite en gros. Donc pareil, vous prenez du sopalin, vous le pliez en deux. Vous sortez vos petits pépins, donc je vais faire une autre petite astuce pour que ce soit plus... pour que ça soit... plus quoi. Ouais, c'est pas grave, pour que ce soit plus simple, on va dire ça comme ça. Donc vous faites à moitié un coffre-fort comme ça, tac. Et vous versez directement l'eau et les pépins, hop. Tac. Donc les pépins sont bien dedans. Donc vous allez... pas trop les voir comme ceci. Clac. Voilà, donc je sais pas si vous les voyez trop. Ah oui, vous les voyez là, ils sont là. Donc là maintenant, hop, on retire l'eau en trop pour pas que ils pourrissent comme ça. Tac. Et voilà, donc ils sont comme ça. Donc maintenant vous attendez à peu près pareil, une semaine 15 jours, donc pareil que ça fasse une germe et que la racine commence à sortir. Et les planter mais pas dans un trop gros pot parce que sinon en fait je me suis rendu compte que la terre au fond était trop froide, enfin pas trop froide mais il gelait en fait. Et surtout pas le laisser dehors. Et voilà. Donc je vous montre quelques images quand ils grandissent. Et c'est la team Poiscaille et tchuss. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu et tchuss.